Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, ici, la parole est à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Nous parlons d'actualité politique, actualité sociale, évidemment, celle qui se trouve sur toutes les lèvres depuis hier soir. Il s'agit de l'arrestation de deux membres du Front National de Défense de la Constitution, notamment Fonike Mangue, qui est donc membre de cette structure, et Sekou Kounouno, lui qui est donc le responsable du Balai Citoyen et membre du Front, tous arrêtés successivement, selon les informations, autour d'une question de t-shirt du FNDC, qui ont donc été longuement entendus à la DPJ hier, et relâchés dans la soirée et aujourd'hui, ce matin encore, rappelés à la DPJ pour continuer l'interrogatoire. Peut-on dire que les libertés publiques sont sérieusement menacées devant la velléité de la mouvance présidentielle de doter le pays d'une nouvelle constitution? La question est posée et nous prenons la réaction des politiques, notamment d'un habitué de cette émission. Il s'agit d'Abdoulaye Kourouma, il est président du RRD. Mais avec lui, nous parlons aussi de processus d'élection, notamment les élections communales qui sont encore non parachevées puisque les élus locaux, notamment les chefs de quartier, jusqu'à date, ne sont pas encore installés alors que nous attendons aller vers les élections législatives et présidentielles. Quel regard il porte sur cet aspect aussi du processus électoral dans notre pays? Nous allons en parler dans cette émission. Abdoulaye Kourouma, bienvenue dans Café Débat. Merci et bonsoir. Merci de la disponibilité surtout. Et je rappelle que dans la deuxième partie de cette émission, toujours en parlant de ce contexte de débat houleux autour de la Constitution, le collectif des journalistes pour le soutien aux actions présidentielles aussi veut exprimer sa position dans ce débat. Et c'est pour cela que je recevrai dans la deuxième partie de cette émission Ibrahima Khalil Diallo, qui est donc le président de ce collectif des journalistes pour le soutien aux actions présidentielles, qui va donc exprimer sa position ou leur position ici. Mais avant, on reste avec le premier invité du jour. Alors oui, Abdoulaye Kourouma, première activité, si je veux dire, l'information brûlante depuis hier, c'est l'arrestation de Sekou Kounouno et de Fonike Mangue. Vous les connaissez puisque vous côtoyez au sein du Front de défense de la Constitution. Quelle réaction à chaud face à cette actualité? D'abord, je voudrais dire que l'arrestation ne s'est pas passée ou l'interpellation ne s'est pas passée dans les règles de l'art, ce que je déplore beaucoup. Mais je précise aussi que l'État a droit d'interpeller n'importe quel citoyen pour lui poser des questions. Mais nous avons demandé sur la plateforme une réunion d'urgence pour avoir d'amples informations par rapport à leur interpellation. Et nous, nous sommes réservés pour les commentaires autour de ça. Nous voulons vraiment des explications avant de nous prononcer sur la situation. Mais ce que je peux certifier, l'arrestation ou l'interpellation ne s'est pas passée dans les règles de l'art. Oui, quelle explication vous voulez? Étant donné qu'on sait déjà comment ils ont été arrêtés. Quand on prend par exemple celui qu'on appelle Fonike Mangue, il était allé pour récupérer le stock des t-shirts sur lesquels il est dessiné les sigles de votre front. Le Front de défense de la Constitution. Donc, ils ont commandé un stock. Je peux même dire que vous avez commandé un stock parce que c'est votre front. Alors, ce monsieur était allé pour récupérer ses stocks et c'est là qu'il aurait été donc arrêté par des agents, par des gens qui l'ont envoyé à la DPJ. Et dans un second temps, c'est Sekou Kounouno qui venait s'enquérir des informations autour de l'arrestation de son collègue, mais parce qu'il portait un gilet aussi sur lequel il est imprimé le logo de votre front. Il a été arrêté sur place et donc on les a auditionnés. Et dans l'audition ou l'interrogation, on leur pose la question: pourquoi vous faites confectionner tant de t-shirts anti-troisième mandat, anti-constitution? Pourquoi vous installez des antennes à l'intérieur du pays? Est-ce que vous avez un agrément? Des questions comme ci, comme ça. Ça vous inspire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas à s'inquiéter? Est-ce qu'on ne peut pas dire que les libertés sont menacées? Je fais souvent très attention aux informations sur les réseaux sociaux. Oui, mais là, ce que je vous dis, c'est eux qui nous l'ont rapporté. Ah, là, les journalistes personnes concernées, c'est ce qu'ils nous ont dit, parce qu'on a appelé un membre du Front qui nous a remonté cette information. Je suis d'accord que l'État
s'inquiètent pour demander pourquoi le front est en train de confectionner beaucoup de t-shirts et qui sont les bailleurs. Il peut poser la question au coordinateur du front, mais en respectant les normes, en envoyant une convocation pour vraiment pour des fins d'enquête. Je suis d'accord parce que nous sommes dans un état. Mais si vraiment les conditions là n'étaient pas remplies, c'est une régression de la liberté d'expression, c'est une régression de la démocratie, c'est une régression de l'évolution de notre pays, et si vraiment les normes ne sont pas respectées. Mais nous avons une réunion que nous sommes en train de préparer pour vraiment se positionner contre tout ça. Et ce que je peux dire, nous sommes dans un état, on ne peut pas priver quelqu'un d'exercer un droit constitutionnel. Et ça, je peux, c'est valable pour l'État, c'est valable pour ceux qui soutiennent l'État dans ses actions. Donc, nous attendons de voir la suite des interrogations pour se prononcer là-dessus. Nous avons demandé au coordinateur de front de convoquer une réunion d'urgence, de nous donner beaucoup d'explications autour de ça pour nous armer dans le but d'affronter ce combat pour la liberté, pour la démocratie dans notre pays. Oui, mais ce que vous voyez sur le terrain là, parce qu'on ne se trompe pas, pour arrêter ceux qui pourtant arborent d'autres t-shirts sur lesquels on écrit vivement la nouvelle constitution, nouveau mandat, nouveau ceci, c'est-à-dire que les policiers ne se trompent jamais pour aller arrêter ces gens-là. Ils ne violent pas la loi, la procédure pour aller arrêter ces gens-là. C'est plutôt ceux qui sont contre. Donc c'est velléité de nouvelles constitutions, de nouveaux mandats. On se trompe pour les arrêter, sans même qu'on ne vous donne des explications. Est-ce que ça pourrait vous inquiéter en tant qu'acteur principal de cette contestation de nouvelles constitutions ou de nouveaux mandats pour Alpha Condé? Voilà, c'était ma position lors d'un débat au niveau de l'opposition républicaine élargie au front. J'avais demandé, si nous mettons une organisation en place pour la défense de la Constitution, à partir du moment où l'article 10 de notre Constitution déjà est violé par les gouvernants, est-ce qu'il ne faut pas commencer d'abord à se battre pour la réinstauration de l'article 10 de notre Constitution? Puisque les citoyens sont privés de leurs droits constitutionnels. Et aujourd'hui, qu'il y ait une nouvelle constitution ou pas, moi je voudrais que chacun ait la liberté de s'exprimer par rapport à la loi. Donc moi je voudrais que le combat primordial de notre front doit être d'abord la réintégration. Donc la levée de l'interdiction des manifestations. Voilà, c'est ce qui permet à nos citoyens, politiques, société civile, de s'exprimer. De faire des manifestations, des sensibilisations, des pétitions. Si l'article 10 n'existe pas déjà, est-ce qu'on peut parler de la défense d'une constitution? Donc ça veut dire qu'au sein du front, vous n'êtes pas d'accord sur les stratégies? Ma position est que si nous voulons parler quoi que ce soit, il faut que nous nous battons d'abord pour que l'article 10, c'est-à-dire le droit constitutionnel qui est l'article 10 des citoyens, soit vraiment autorisé. Et comment vous pensez que vous pouvez faire cela? En manifestant, en ignorant cette interdiction. Voilà, voilà. Écoutez, vous avez ce qu'on appelle la cour, comment on appelle ça, comment dirais-je, vous avez une justice qui est chargée de la Constitution, de respect des lois de la Constitution, la cour constitutionnelle. Moi, je pense que avant d'écrire à d'autres juridictions contre les promoteurs d'une loi, c'est-à-dire d'une loi, l'article 51 de notre Constitution, il faut d'abord écrire à la Cour constitutionnelle par rapport à l'article 10 dont les citoyens sont privés déjà d'exercer ça déjà. Mais vous pensez que les membres de la Cour constitutionnelle ont les yeux fermés pour ne pas qu'eux-mêmes on peut les interpeller s'ils ne voient pas. Est-ce qu'il faut leur faire confiance? Non, à partir du moment où nous avons la copie des radio-messages de ministre de l'administration du territoire qui instruit au préfet, au sous-préfet élargi à des administrateurs à la base d'interdire des manifestations,
on peut vraiment saisir avec ces preuves-là la Cour constitutionnelle. Bien. Et si la Cour constitutionnelle ne se prononce pas là-dessus dans les délais requis, on peut aller plus loin. Mmh. Mais en tant que l'article 10 n'est pas instauré, moi je crois que le RD ne fera pas un débat autour de l'article 51. Alors oui, toujours en restant dans l'actualité politique autour de laquelle ce front est très actif d'ailleurs en parlant de constitution, il y a aussi, je vais dire, l'opposition républicaine à laquelle vous appartenez en tant que parti politique, donc RRD, qui semble être un peu amorphe en ce moment, un peu en vacances. On a l'impression que vous dormez à l'opposition républicaine désormais depuis que ce front-là existe. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe au sein de l'opposition républicaine ? Pendant ce temps, c'est Sidia Touré qui est actif sur le terrain, qui se fait entendre aujourd'hui et qui est en train même d'accuser, d'alerter l'opinion sur une velléité de la CENI de favoriser cette société qu'on appelle Innovatrix pour donc le recensement, le nettoyage du fichier et tout ce qui va s'en suivre. Pendant ce temps, c'est le silence radio dans l'opposition républicaine. Vous laissez les acteurs de la société civile du front occuper le terrain. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'opposition républicaine? Puisque nous savons que il y a des choses qui arrivent, que ce soit les élections, les revendications et tout ce qui s'ensuit, il a été décidé au niveau de l'opposition républicaine que chaque parti politique essaye de redynamiser la base de son parti, que chaque parti politique retravaille pour mettre dans les activités ses militants, ses sympathisants. Je crois que ce n'est pas un silence. Nous sommes en train de travailler. Si vous partez maintenant au siège de RRD, le moment que je suis en train de m'adresser à vous, nous avons 5 de nos représentants qui sont venus de l'intérieur. Ils sont venus s'armer avec la loi, les équipements, pour vraiment descendre sur le terrain dans le cadre de sensibilisation, de redynamisation de structure du parti. C'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'opposition républicaine. En ce qui concerne le président de l'UFR, qui est en train aujourd'hui de se rattacher auprès de ses militants, je peux dire comme ça. De renouveler la confiance, je voudrais dire, de renouveler la confiance qui avait déjà perdu la crédibilité face à ses militants, parce que, entre guillemets, d'autres militants pensent toujours qu'on les utilise pour obtenir des positions politiques, ce qui a soldé sa nomination. Vous pensez que Sidia n'est pas crédible aux yeux de ses clients, Sidia Touré? Moi je pense que le leader du parti UFR a un problème de confiance au niveau de la base par rapport à son parcours récent auprès de professeur Alpha Condé et qui est allé dans le système sans demander l'avis de beaucoup de ses militants. Vous en avez les preuves qu'il n'a pas demandé l'avis de ses militants? Et oui, mais c'est qui traduit voilà la pièce de rechange de Baïdi qui était un des hommes forts de l'UFR, aujourd'hui se trouve à la mouvance. Il y a eu un problème d'incompréhension. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une communication qui ne dit pas son nom au niveau de l'UFR. Lorsque la mouvance présidentielle avait fait des déclarations pour le soutien à la nouvelle constitution, l'opposition parlementaire voudrait aussi faire une déclaration. Sur les 10 députés de Sidia, il n'y a que 2 seulement qui ont accepté de signer. Les 8 autres ont refusé de signer leur déclaration pour non contre. C'est pour vous dire qu'il y a un problème de confiance. Il n'a pas voulu communiquer sur ça pour gérer ça en catimini parce qu'il y a un problème interne qui parle ici de la crédibilité, de la confiance de leader. C'est que c'est la population à la base qui ne comprennent pas ce qui se passe à ce niveau. Et puisque quand un leader, c'est comme Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant de votre part au sein de l'opposition républicaine aujourd'hui, quand on voit que Sidia est plus actif
sur ces questions du moment. Les questions du moment, les questions du moment, c'est quoi? Si il n'y a pas une menace. Les questions du moment, c'est quoi? Pas une menace. Non, je rappelle, les questions du moment, c'est le processus électoral, notamment le recrutement d'un opérateur pour le recensement intégral, pour le travail sur le site central de la CENI. Vous ne parlez pas de ça à l'opposition républicaine. C'est Sidi Touré qui est en train de parler de tout ça aujourd'hui. C'est de simple vente aux gens chers. C'est pour juste communiquer, pour qu'on dise qu'il est en train de parler. C'est pas important selon vous? Ce n'est pas important qu'il se prononce là-dessus à partir du moment où il a deux de ses représentants à la CENI. Qui sont des commissaires. Qui sont des commissaires. Oui, qui n'ont plus droit de défendre les couleurs de l'UFR désormais. Ils ont prêté serment pour défendre la nation. Et c'est sur la base de confiance, de crédibilité de leur leader qui les a amenés là-bas. Donc le leader n'a plus droit. S'il y a, eux, ils sont en train d'indexer le président de la CENI aujourd'hui, à dire que c'est lui qui veut favoriser Innovatrix. Mais même si tu envoies, même si tu nommes aujourd'hui le grand imam de Conakry comme le président de la CENI, ces généraux auront quelque chose à dire là-dessus. Moi je pense que sans eux ou avec eux, la Guinée va continuer. Je crois que, monsieur, si vous, votre maison, essayez de lancer l'appel d'offres, nous, les téléspectateurs, les fidèles à vos émissions, n'ont pas droit de demander pourquoi la sélection de ce prestataire. Ou non, je ne comprends pas. Ça, je ne suis pas. Je comprends pas. Vous ne pouvez pas. Écoutez, vous êtes président d'un parti politique. Vous êtes président du RRD. Écoutez, la CENI est une institution indépendante. Je comprends. Vous êtes président. Lorsque nous, politiques, nous avons nos représentants là-bas, on se dit ici que nous n'avons plus droit d'influencer. Même si vous avez des doutes. Écoutez. Par exemple, sur les questions de passation de marché. Je ne peux pas m'asseoir sur votre studio si j'ai des doutes ou si j'ai des doutes sur l'émission ou si vous allez modifier ma communication. Donc vous, aujourd'hui, au RRD, vous croyez... Je crois pertinemment à la valeur de tous les Guinéens, à tous les Républicains, que chacun va travailler dans l'intérêt de la nation, et que l'histoire est têtue, l'histoire ne pardonne pas, et que je n'accuse pas une personne. Et que l'institution qu'on appelle la CENI sait qu'il a la stabilité de pays à main, et qu'il va travailler conséquemment par rapport à la stabilité du pays. Bien. Donc ce n'est pas un individu qu'on peut indexer, c'est tous les partis politiques qui ont les représentants, l'État a ses représentants, la mouvance a ses représentants. Ce n'est pas un individu qui va se lever pour remettre ça en cause. Bien. Moi je ne suis pas d'accord que les politiques continuent toujours à accuser la CENI, la CENI, la CENI, tandis qu'eux-mêmes ils ont créé trop de problèmes à l'évolution de notre pays. Donc aujourd'hui, s'il y a une sorte de désharmonie entre la position de Sidia aujourd'hui concernant le recrutement de l'opérateur en cours en ce moment, sa position, et la position de vous autres qui êtes dans l'opposition républicaine, ça veut dire que vous ne partagez pas les doutes. Non, je parle au nom de RRD, je ne parle pas au nom de toute l'opposition. Oui, mais même dans l'opposition, personne d'autre ne parle. Mais l'UFDG n'en parle pas, les autres partis. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est Sidia seul qui parle. Voilà, maintenant, c'est pourquoi. Donc ça veut dire que vous pensez que ces accusations-là qui viennent de Sidia Touré, notamment au sujet d'Innovatrix, c'est juste pour créer du buzz politique, c'est ça? Pourquoi ces commissaires qui sont autonomes, qui ont prêté serment pour ne pas trahir la nation, ne font pas de simples déclarations? Si c'est vrai qu'ils sont vraiment des éléments venant de l'UFR. Ils doivent faire des déclarations. Bien. Et là, même en simple concertation avec leur président, ils ont le droit au moins de dire que ce que le président est en train de faire, c'est pas bon. Bien. Ils peuvent organiser une pétition au sein de la CENI. Alors, mais c'est pas à lui. Il veut qu'on parle de lui. Bien. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Mais c'est un faux débat. C'est un faux débat. En tout cas, on a constaté quand même un silence depuis un certain temps de l'opposition républicaine sur ce sujet-là. Mais sur bien d'autres sujets aussi, l'opposition républicaine à laquelle vous appartenez, le RDR appartient, le UFDG et les autres, semblent aussi silencieux sur bien d'autres sujets. On ne sait pas pourquoi. Et comme si vous êtes allé en vacances, vous avez parlé de remobilisation à la base, mais en réalité, est-ce que vous êtes en perte de vitesse au sein de cette opposition républicaine? Vous savez, nous venons de finir une élection dont les résultats sont connus de tous, qui ne sont pas encore achevés. L'opposition
républicaine. L'opposition républicaine est un ensemble d'éléments dont chaque parti politique a son autonomie. Nous pouvons nous retrouver en session sur des questions qui concernent chaque parti politique. Et si votre parti n'est pas concerné sur un débat, tu n'es pas obligé de participer à ces débats. L'opposition républicaine, je dis et je réitère, est en train de remobiliser à la base, est en train de travailler pour se remobiliser pour quel combat? Mais vous avez des échéances. Les élections législatives, ça sera bel et bien pendant les fins d'année. Bien. Les fins d'année, nous irons aux élections, sans ou avec les partis qui veulent aller. Bien. Et notamment UFR peut-être. Alors on va terminer. Mais s'il ne va pas, c'est qu'il n'est pas prêt à participer au débat politique. Bien. On va terminer avec ce sujet concernant les élections communales, effectivement, qui ne sont pas encore parachevées par la non-installation des chefs de quartier et de district. Là, vous trouvez les causes de cela dans quel fait? Dans le silence encore de l'opposition ou la mauvaise volonté du ministre Bourama Condé? C'est ce qui traduit que nos aînés politiques ne défendent que leurs appétits personnels. Ils ne sont pas dans la politique par conviction, ils sont dans la politique pour des intérêts personnels. Si vous avez participé à l'élaboration d'une loi à l'Assemblée, qui dit quelque part qu'après les élections communales, les élections des maires, des conseillers, il doit y avoir l'élection des chefs de quartier, il doit y avoir l'élection des conseillers régionaux. L'échéance n'est pas encore achevée. Vous vous levez pour attaquer autre chose. Voilà ce qui traduit ici le problème de nos aînés en matière politique. Ils ne sont pas sérieux avec la République. Ils ne sont pas sérieux avec la loi. Vous pensez pas que c'est, vous ne pensez pas que c'est Bourama Condé qui est responsable si les chefs de quartier ne sont pas installés? Si ça arrange Bourama Condé, qu'est-ce qu'il doit faire? C'était là-dessus. Mais nous, les politiques qui ont souscrit à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rappeler Bourama Condé que ça, cette étape n'est pas encore achevée. Bien. Il nous faut achever ici. Bien. Il nous faut venir par là. Donc si on ne le fait pas et qu'on se mette à bagarrer pour autre chose, c'est notre intérêt. Donc vous indexez l'inaction de vos pères de l'opposition. De nos aînés de l'opposition. Bien. De tout bord. Voilà. Alors dernier mot en 30 secondes face à la caméra autour de tous ces sujets abordés. Et celui qui vous tient le plus à cœur. Je voudrais dire aux Guinéens que d'accepter d'être Guinéen tout court. Et que cette histoire de communautarisme ou de stratégie géopolitique, c'est-à-dire des régions qui sont en train de diviser le pays, sans ou avec un leader politique, sans ou avec un parti politique, sans ou avec un Guinéen, la Guinée va continuer. Nous avons connu tellement de ministres, tellement d'anciens ministres. Aujourd'hui, la Guinée a d'autres ministres, la Guinée ne fait que continuer. Nous avons connu tellement de présidents, aujourd'hui la Guinée a un président, la Guinée ne fait que continuer. Sans ou avec eux, la Guinée peut continuer, qu'on mette l'intérêt de la Guinée en avant. Il ne faut pas qu'on prend au nom d'une communauté pour détruire ce pays. Bien. Il ne faut pas qu'on prend au nom d'un leader politique pour détruire ce pays. Tous ceux qui sont en train aujourd'hui de communiquer, de parler, de s'opposer à l'évolution de ce pays, le font que dans leur intérêt personnel, ne le font pas pour l'intérêt de ce pays. Donc je demande aux Guinéens de libérer leur conscience et à la jeunesse de prendre sa responsabilité à main, de ne pas se laisser manœuvrer, manipuler pour des miettes, 50 000, 30 000, 20 000, vraiment ça ne construit pas l'avenir de la jeunesse. Bien. Je vous remercie. Merci. Et c'était un plaisir de passer chez vous. À très bientôt. Bientôt. Je crois que le football inter-parti politique va bientôt très commencer. Bientôt. Mais je vous préviens que je serai le champion. On verra. Bonne chance. Merci. À vous, merci de votre attention en tout cas pour cette première partie. On revient dans la seconde partie avec Ibrahima Khalil Diallo du collectif des journalistes pour le soutien aux actions présidentielles. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme je l'ai annoncé, je reçois à présent Ibrahima Khalil Diallo, président
du collectif des journalistes pour le soutien aux actions présidentielles. Vous le savez, ce mouvement qui a vu le jour à l'aune des élections de 2015, qui donc a accordé un second mandat à Alpha Condé. À l'époque, la création de ce mouvement de soutien des journalistes donc a créé débat, a suscité des tollés, ainsi de suite. Ils ont été sous les projecteurs pour se défendre et justifier en tant qu'homme de médias leur soutien au chef de l'État. Aujourd'hui, il veut bien exprimer la position de ce même collectif de soutien aux actions d'Alpha Condé sur la question de changement de constitution. Khalil Ibrahima Khalil Diallo sur ce plateau. Bienvenue Khalil. Merci mon cher ami. Alors, pourquoi le silence du collectif depuis quelques, si on ne dirait pas quelques années, en tout cas depuis un bon bout de temps, hein, où on ne vous voit plus sous le projecteur, étant donné que vous avez été créé pour soutenir les actions d'Alpha Condé en tant que journaliste. De pourquoi avoir disparu des radars depuis un certain temps? Disons peut-être que ça fait quelques mois, pas des années. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, que nous ne partageons plus les mêmes points de vue que le pouvoir en place. Et pour cause, surtout ce problème de nouvelle constitution, ce problème de troisième mandat. Ah, donc le collectif ne partage plus la position du pouvoir. Nous ne partageons pas cette position et nous ne comptons pas partager cette position. Parce qu'il faut comprendre que ce pouvoir a fait 9 ans de gestion, et pendant 9 ans, on n'a pas eu de choses concrètes en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations. Pendant 9 ans, ce pouvoir n'a pas pu doter de bonnes écoles au pays, ce pouvoir n'a pas pu donner de bons hôpitaux au pays, ce pouvoir n'a pas pu améliorer les conditions de vie et de travail des populations guinéennes. Et ce pouvoir n'a pas non plus pu donner le plein emploi à la jeunesse. Étant donné que nous vivons dans un pays extrêmement riche, aujourd'hui en Afrique, à part la RDC Congo, il n'y a pas un pays aussi riche que la Guinée en matière de ressources naturelles. Ce qui devrait être une aubaine pour notre développement. La Guinée devrait être aujourd'hui le moteur du développement de la sous-région, mais aussi le moteur du développement du continent africain. Mais malheureusement, depuis toujours, nous avons toujours eu la malchance d'être dirigés par des gens sans scrupules, qui n'ont aucune pensée pour la population, qui ne sont là que pour défendre les intérêts personnels égoïstes. Donc, il faut vraiment essayer d'arrêter cela. Je m'adresse particulièrement à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, c'est l'avenir de la jeunesse qui est en jeu. Si un pouvoir est venu en place, le rôle premier d'un pouvoir, c'est de protéger et d'améliorer les conditions de vie de sa population. Maintenant, si pendant 9 ans, ce pouvoir n'a pas pu donner les besoins élémentaires les plus fondamentaux à sa population, et particulièrement l'emploi de jeunes, je ne crois pas que ça soit opportun, ce n'est même pas nécessaire qu'on puisse parler aujourd'hui d'un troisième mandat, d'un projet de nouvelle constitution, parce que nous estimons que ce projet de nouvelle constitution, c'est un maquillage pour permettre à ce pouvoir d'aller vers un troisième mandat afin de continuer à exploiter le peuple. Donc c'est pour cela que nous n'allons pas continuer. Nous sommes aujourd'hui interpellés par le devoir patriotique. Le moment est venu, nous sommes à un tournant décisif de l'histoire du pays. Donc il faut prendre ses responsabilités. Et ça, ce combat doit être mené à tous les niveaux, par tout le peuple et surtout la jeunesse. Parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Imaginez aujourd'hui un jeune, quelqu'un qui est entre 35 ans, 40 ans, jusqu'à 45 ans. Les parents vous ont financé pendant 20 ans et vous finissez, vous n'avez pas du boulot, vous êtes appelé à fonder une famille. Et si par l'appui de vos parents, vous arrivez à vous marier, vous avez des enfants, vous devez envoyer vos enfants à l'école, et vous devez les soigner quand ils sont malades, et vous devez tout faire, préparer leur avenir. Et si vous, personnellement, vous ne pouvez même pas avoir ces 1000 francs avec vous, ça veut dire que c'est une autre génération d'échecs qu'on est en train de préparer, et tout cela par la faute des gens qui nous dirigent. Alors, je comprends tout ça, mais ça reste le collectif des journalistes pour le soutien aux actions d'Alpha Condé. Vous l'avez défendu corps et âme quand vous avez lancé ce collectif. Alors c'est presque étonnant qu'on vous voit un beau jour et dire que vous ne soutenez plus les actions du même Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la création de votre collectif a été inutile?
puisqu'il y a des actions que vous avez forcément défendues. Comment vous pouvez remettre à zéro tout ce que vous avez défendu depuis 2015? On ne remet pas en zéro. D'abord, comme je l'ai dit, parce que je suis passé, et j'ai dit et j'ai redit que nous assumons entièrement ce soutien du passé. Le seul regret que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir soutenu un régime qui n'a pas été à la hauteur des attentes du peuple, qui n'a pas su faire les réalisations pour lesquelles nous lui avions soutenu. Parce que quand nous nous sommes engagés, nous sommes engagés pour un idéal. L'idéal, c'était quoi? C'était d'accompagner ces gens dont le peuple a élu pour et répondre à ses aspirations. Mais maintenant que, pendant toutes ces années passées, ce pouvoir n'a pas pu répondre aux attentes du peuple, il n'est plus question qu'on... Donc ce que vous avez soutenu, c'était des illusions, c'était des promesses. C'était pas des illusions. C'était pas des actions concrètes que vous avez soutenues. Il y avait des actions qu'on avait soutenues. Je suis les énumérés. Des actions concrètes. Bien sûr, le retour sur la scène diplomatique du pays, la réforme des forces de défense et de sécurité, la délocalisation des fêtes de l'indépendance qui a permis d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas aussi suffisant que ça, à certaines de l'intérêt de ce dossier des infrastructures. Donc il y a toute une panoplie de, d'autres projets que nous avions soutenus. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais il faut comprendre que nous sommes des citoyens libres. Il y a la liberté d'expression. Chaque citoyen, à un moment donné, a le droit de donner sa position par rapport à une situation donnée. Mais ça ne veut pas dire que demain, parce qu'il a donné aujourd'hui sa position par rapport à une situation donnée, ça ne veut pas dire que demain, il ne peut pas donner sa position par rapport à une autre situation, à une situation donnée. Donc si hier nous avions soutenu et qu'aujourd'hui et on se démarque, et ça ne veut pas dire que ça, c'est un problème, ça ne doit est-ce pas la vérité, poser un est-ce problème. Que la vérité, ça veut dire que le collectif des journalistes qui ont décidé de soutenir les actions d'Alpha Condé depuis 2015, qui ont quand même chanté certaines actions réalisées par Alpha Condé, et tu viens de les rappeler, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas eu gain de cause pour le collectif? Est-ce que ça veut dire que s'il y a des privilèges que vous attendiez d'Alpha Condé et de ses proches, que vous n'avez pas eu ces privilèges et vous décidez de claquer la porte en réalité et vous profitez de ces débats de constitution? C'est ça la vérité? J'avoue que cette question revient toujours, mais comme je vous l'ai dit, nous on ne s'était pas engagé pour des retombées financières. Si c'était pour des retombées financières, c'est le moment propice. On aurait pu avoir des millions pour soutenir cette nouvelle constitution. Donc ce n'est pas pour des questions financières. Si c'était pour des questions financières, on s'engage un an, on n'obtient pas de gain de cause, mais on démissionne, on jette le tablier, on jette l'éponge. Mais on ne l'a pas fait. Pendant 4 ans, on a soutenu. On était en observation. Mais au finish, on a compris que le pouvoir n'a pas été à la hauteur des attentes. Parce qu'en matière de bilan, quand même, il faut comparer ce qui a été fait et ce qui devrait être fait. Et aujourd'hui, le constat est que ce qui a été fait est nettement insuffisant par rapport non seulement aux attentes, mais par rapport aussi à ce qui devrait être fait. Bien. Aujourd'hui, nous mettons défi quiconque vous dira que on a demandé de poste ou on a demandé de l'argent par rapport à notre engagement. On ne l'a jamais fait, donc ce n'est pas une question pécuniaire. Si c'était une question pécuniaire, c'était le moment propice de nous avoir reçu. Alors, à quel moment exactement vous avez décidé de ne plus soutenir les actions du président de la République? Est-ce depuis que ce débat de changement de constitution a été posé ou bien avant ça, vous aviez décidé de vous séparer de ce régime, de cette gouvernance, de ne plus soutenir les actions d'Alpha Condé en tant que collectif de journalistes? En fait, c'est depuis déjà, et depuis quelques mois déjà, comme je vous l'avais dit, on était en période d'observation, bien qu'on menait des activités sur le terrain. Mais depuis quelques mois déjà, le constat a été fait. On a fait le constat que les actions, le pouvoir que nous avions soutenu vraiment n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Pour preuve, aujourd'hui, vous n'avez qu'à vous promener à Conakry, rien qu'à voir les routes, et rien qu'à voir les embouteillages, rien qu'à aller dans les marchés, voir comment nos femmes souffrent. Rien qu'à aller dans les rues, voir des petits enfants, des petites filles de 5 ans qui ont des assiettes, des plateaux sur leur tête en train de se promener. Bien. Des enfants qui devraient aujourd'hui aller à l'école et voilà qu'ils sont aujourd'hui dans la rue. C'est l'avenir de la nation qui est en jeu. Et tout ça, c'est parce que des dispositions n'ont pas été prises par ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Sinon, en principe, aujourd'hui, tout le monde devrait avoir
accès à l'école, mais ce n'est pas le cas. Mmh. Il y a plein d'enfants aujourd'hui qui sont dans la rue. On ne va pas égrener encore tout ce qui ne va pas. Ils ne partent pas à l'école et tout ça, c'est par la faute de ceux qui nous dirigent. Bien. Donc, comment voulez-vous qu'on continue à soutenir un tel régime? Bien. Alors oui, ça veut dire que ceux donc qui n'étaient pas au courant, qui voulaient l'entendre, il est dit et c'est clair. Le collectif qui s'est dit depuis 2015 de soutien aux actions présidentielles ne l'est plus. Et il a donné les raisons. Peut-être un dernier mot à l'endroit de tous ces téléspectateurs en 30 secondes, Ibrahim Khalil. Je crois que c'est un appel à la jeunesse, un appel à l'unité d'action nationale, un appel à l'unité d'action de la jeunesse, parce que c'est notre avenir qui est en jeu, c'est l'avenir de la jeunesse qui est en jeu, c'est l'avenir de la nation qui est en jeu. Ce projet que ce groupe veut, parce que c'est un groupe d'individus qui est là, qui est au pouvoir, et qui veut continuer à rester au pouvoir, afin de pouvoir épier le pays, afin de pouvoir continuer à mettre en cause l'avenir de la jeunesse et par extension l'avenir de la nation. Donc il faut que la nation se mobilise, il faut que tous les acteurs à tous les niveaux se mobilisent pour barrer la route à ce projet de nouvelle constitution. Merci Ibrahim Khalil, à très bientôt. Merci, je vous remercie. Bien. À vous, merci de votre attention, ce fut un plaisir. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.